Moi, je suis Carla Bautista. Je suis ici à Laval depuis 2017. J'avais fait mon bac en Espagne, en biologie. Après ça, j'ai fait une maîtrise en biotechnologie aussi en Espagne. Et après, j'ai reçu une bourse pour étudier, pour faire ma maîtrise, mes études graduées en Amérique. Et j'ai choisi Québec. Puis, j'aimais bien l'Université Laval. J'aimais bien les projets où je suis, les labos. Alors, j'ai poursuivi ici ma deuxième maîtrise. Puis après, je suis dans mon doctorat maintenant. J'essaie de finir. Alors, je suis dans ma quatrième année. D'accord. Je m'appelle Marcel Velasquez. Je suis au première année de mon doctorat en océanographie. Et maintenant, je travaille sur mon projet de recherche sur les résultats de mon première année de mon projet de ma thèse de doctorat. Je pense que le plus important, c'est comme de vraiment trouver ce que tu aimes. Parce que tu vas passer trop de temps à étudier ça, à réfléchir sur ce sujet-là. Des fois, tu vas avoir des problèmes. Alors, c'est important que qu'est-ce que tu as choisi, c'est une chose qui t'intéresse, que tu as curiosité pour trouver la vérité, pour poursuivre tes études sur ça. Et pour moi, le plus important, c'est définir clairement les sujets de recherche et formuler la question de la recherche. Cela permet de faire ça prend du temps parce qu'il faut faire une révision de la littérature en profondeur pour savoir qu'est-ce qui manque à faire ou quels sont les gaps qu'on doit répondre dans la communauté qui l'intéresse à la communauté scientifique pour que notre projet soit un projet vraiment intéressant et aussi qui apporte quelque chose de nouveau. Je pense que c'est un peu un topic, mais le plus important, c'est de lire. Une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, tu vas trouver un labo qui, idéalement, va être en ligne avec ce que tu aimes faire ou ton sujet d'intérêt. Et une fois que tu as ton labo idéal, tu vas commencer à lire tu vas commencer à lire les papers ou les articles, les travaux qu'ils ont fait précédemment. Et aussi à te renseigner sur les axes ou les lignées de toutes qui sont présentement dans les labos. Et une fois que tu as ça clair, il va falloir que tu parles avec ton directeur pour voir si tu peux être dans un de ces axes de recherche ou si ton projet peut être encadré dans un de ces axes de recherche. Ok, je pense que le plus important au début, c'est lire. Je dis ça tout le temps, mais lire, c'est important parce que quand tu commences avec un sujet, c'est important d'avoir une vision générale. Et, en fait, tu peux commencer à lire même des articles de vulgarisation, ça va t'aider parce qu'on ne sait pas au début beaucoup en profondeur sur les sujets. On vient définir un bac, on vient définir une maîtrise, c'est normal qu'on ne sait pas. Et comprendre un article scientifique vraiment écrit pour des personnes qui ont étudié ce sujet-là pendant des années. Alors même des articles de vulgarisation, etc. Après ça, je pense que l'autre étape, c'est une fois que tu as lu, tu vas avoir des questions. Et normalement, des questions qui ne sont pas répondues dans la littérature ou que tu n'as pas trouvé, que tu n'es pas convaincu. Et dès là, c'est où on commence un projet de recherche. C'est depuis là qu'on commence à avoir des questions qu'on va essayer de répondre. Ça, c'est la troisième étape, à mon avis. C'est comme de proposer ces scénarios hypothétiques. Ça veut dire d'avoir tes hypothèses et tes prédictions. Et ça, tu peux déjà partager ça avec ton directeur de recherche. La quatrième étape, ça va être de désigner une expérience. Une fois qu'on a une expérience, il va falloir que tu parles beaucoup aussi avec ton directeur et les gens de ton labo qui ont fait des expériences similaires et qui ont passé par le même endroit que toi. Idéalement, cette expérience va répondre oui ou non à ta question. Et une fois ça, on devient à la cinquième étape, à mon avis, que c'est la plus cool, que c'est quand on fait l'expérience et on analyse les données. J'ai dit ça rapidement, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Cette dernière étape, c'est celle qui prend le plus de temps. Et une fois qu'on peut avoir des réponses positives à oui ou non, on peut avoir aussi des réponses qui ne sont pas claires. Alors, on peut remettre une deuxième hypothèse qui va nous recommencer le processus. Mais c'est comme ça la science. Là,
Donc, moi, c'est Camille. J'ai fait mon bac ici en biologie à l'université. J'ai commencé ma maîtrise il y a déjà plus qu'un an. En fait, là, je suis à ma 5e session de maîtrise présentement. Fait que c'est le début de la rédaction de mémoire et d'analyse de données. Fait que c'est fun. Donc, moi, c'est Sam Deleu. Je viens de Belgique. J'ai étudié à l'Université de Liège pendant 2 ans. Puis, je suis venu en échange à l'Université Laval pour ma 3e année de bac. Ici, je me suis fait engager à la maîtrise pour un projet de maîtrise que j'ai fait avec sous la direction de Nadia Obanoff, puis en co-direction avec Louis Bernacchi, qui lui-même par la suite m'a engagé pour mon doctorat que je suis en train de faire en ce moment même, toujours à l'Université Laval. Du coup, je m'appelle Joy Gobert, puis je suis doctorante dans le laboratoire de Nicolas Derome. Mon projet, ça va toucher au microbiote des abeilles en fait. Je suis actuellement à ma 3e année de doctorat, donc plus qu'un an normalement. Du coup, j'ai fait mon bac en France, donc ça s'appelle une licence là-bas, en biologie des organismes et des écosystèmes. Puis, à la suite de ça, j'ai fait une maîtrise, donc qui est équivalent à un master en France, en écotoxicologie et chimie de l'environnement, parce que j'avais envie de rajouter un peu de chimie à toute cette biologie que j'avais appris. Je m'appelle Raphaël Bouchard, je suis étudiant au doctorat en biologie. J'ai fait mon baccalauréat en biologie à l'Université Laval 2015-2018, puis ensuite j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval encore, dans le laboratoire de Louis Bernacchi. J'ai travaillé sur les effets de la remise à l'eau par les pêcheurs sur le saumon atlantique. Puis depuis 2021, j'ai commencé mon doctorat en biologie encore avec Louis Bernacchi. J'ai aimé mon parcours. J'ai starté avec un projet qui était beaucoup trop ambitieux. Donc, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça. Fait qu'au final, c'est dur à dire, là. T'as certaines étapes. Quand tu sais pas, en plus, c'est combien de temps ils prennent ces étapes-là, ça peut être une bonne idée de demander à quelqu'un qui, lui, a déjà fait ça pour te guider, en fait, dire « bon, ben ça devrait prendre tant de temps ». Puis habituellement, je pense que faire x2, c'est pas une mauvaise chose parce que ça prend toujours plus de temps que c'est supposé. Fait que je pense que c'est ce que j'aurais peut-être dû faire regardant maintenant. C'est pas facile de savoir exactement combien de temps ça prend parce que ça dépend ça dépend de l'expertise de chacun et la connaissance qu'on a, la connaissance après ou la connaissance qu'on a sur le sujet en question. Mais ça dépend aussi le deadline qu'on a parce que oui, comme on est dans un programme de maîtrise et doctorat, on a des temps vraiment courts. Ça veut dire qu'on doit tout le temps faire attention pour le temps qu'on a pour envoyer les projets, pour écrire et pour rédiger. Mais pour nous, ça prend un an ou peut-être ça prend quelques mois. Ça dépend de la vitesse de chacun. Ma planification change vraiment beaucoup. Surtout dans un domaine de recherche qui est comme un peu en expansion, là. C'est beaucoup s'ajuster à ce qu'on trouve, puis parfois il y a des nouvelles méthodes qui arrivent en cours de route, etc., qu'on a envie d'essayer, c'est mon cas en tout cas. Puis du coup, ma planification change quand même. C'est pas pour autant que... en fait, ce que j'aime faire pour quand même rester un minimum consistant, c'est... je me planifie toujours à l'année. Puis ensuite, je me planifie au mois, puis à la semaine. Puis du coup, toujours à l'année, ça va changer énormément parce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent. Je sais pas, une donnée manquante qui finalement s'avère vraiment importante. Puis il faut trouver comment en prendre compte. Une analyse statistique qui fonctionne pas, un code qu'on pense qui va être très facile à réaliser puis qui en fait nous prend un mois. Fait que je dirais que planifier à la minute près, c'est presque impossible. On peut quand même avoir des lignes, des grandes lignes à suivre là, pour essayer d'avancer. Puis je pense que c'est très important. Mais je pense qu'il faut être assez
conciliant avec ça. Faut pas absolument se stresser quand la planification elle est pas exactement suivie puis tout, parce que je pense que c'est presque impossible en sciences. En tout cas, pas pour moi. Donc, ouais, malheureusement, ma planification, elle change quand même souvent, parce que peu importe comment tu planifies bien, il va toujours avoir des imprévus. Puis comme c'est des imprévus, tu peux pas vraiment les prévoir. Fait que je pense qu'un bon moyen de pouvoir les gérer, en fait, c'est pas de surplanifier ton horaire. Donc, si par exemple, tu as tout à la lettre exactement chaque jour, mais ça peut devenir déstabilisant dès qu'il y a un imprévu. Donc, en fait, je pense qu'une bonne chose, c'est d'avoir une idée de tes objectifs de la session. Ensuite, tu peux avoir un peu par mois, puis après ça, à chaque semaine, à chaque jour, par exemple, tu peux réévaluer pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Puis en fait, je pense qu'un autre moyen de bien gérer les imprévus, même s'ils sont imprévus, ça peut être d'avoir un plan B. Comme ça, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu moins fâchant, déstabilisant. Tu sais déjà quelles sont les étapes à prendre après. Comme ça, c'est encourageant de pouvoir recommencer. Oui, il y a toujours des imprévus. On ne peut pas y couper. On peut essayer de tout planifier, mais on aura toujours quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc ça, c'est inévitable. Du coup, il faut juste, c'est juste ma vision des choses, mais je pense qu'il faut juste s'attendre à tout et parler avec les gens qui ont déjà fait le même type d'expérience, parce qu'ils vont sûrement avoir le même type d'erreur et ils vont connaître les solutions. Et sinon, il faut rebondir et chercher les solutions sur le moment. C'est pas toujours facile, mais ça permet de devenir adaptable, on va dire. C'est sûr que quand tu es aux études graduées, tu fais face à des imprévus quasiment à chaque mois. Fait que c'est important, quand il y en a un, de s'adresser à ton directeur ou la personne qui supervise dans tes démarches en laboratoire, parce que c'est la personne qui va te guider. T'sais, c'est rare que... T'sais, oui, tu es capable certainement de te débrouiller tout seul, mais c'est sûr que les gens qui supervisent ont déjà fait cette erreur-là. Puis vont pouvoir te guider dans ce type d'imprévu-là. S'il s'agit d'un imprévu qui va affecter finalement la finalité de ton projet de recherche, là, c'est encore plus important d'en discuter avec ton directeur ou ta directrice, parce que on va pouvoir comme diverger, peut-être trouver un plan B. Là, c'est important, parce que dans un contexte d'études supérieures, il faut qu'il y ait une fin, il faut qu'on puisse déposer quelque chose pour qu'on ait notre diplôme. Là, c'est ça. Ce que je fais différemment, c'est que je prépare beaucoup mieux mes terrains. Ça, c'est quelque chose de fondamental, surtout avec les abeilles, c'est un peu particulier, mais ouais, c'est la plus grosse différence, je pense. Et je me stresse beaucoup moins. J'y vais, si ça marche pas, on recommencera, et puis voilà. Mais c'est tout, c'est les deux grosses différences. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je fais différemment, surtout dans... Le rapport à la littérature scientifique, j'ai beaucoup plus d'esprit critique par rapport à ce que je lis. C'est-à-dire qu'avant, je prenais tout comme comptant. Tu lis un article, tu te dis « Ok, ça a été publié, fait que c'est forcément bon, c'est forcément utile puis applicable. » Puis maintenant, j'ai beaucoup plus, à force d'avoir essayé des choses en lisant des articles, puis tout, je me rends compte qu'il y a de l'esprit critique à avoir là-dessus, fait que il y a quand même beaucoup qui a changé par rapport à ça. Puis aussi pour la planification, je n'étais vraiment pas quelqu'un de bon dans la planification. Je suis beaucoup aux humeurs, tu sais, ça dépend de l'humeur, là, ce que je fais. Toujours maintenant un peu, mais maintenant je suis quand même plus ordonné. Puis ce qui a vraiment changé entre le début de mon doctorat et maintenant, et ce qui a vraiment le plus changé ma vie, c'est ce que je te disais tantôt, là, c'est vraiment me planifier à différentes durées temporelles, tu sais. Me dire, ok, dans 5 ans, je veux être là, par rapport à mes études, à ce que je fais dans ma vie. Mais cette année, voilà ce que je peux faire pour aider à cet objectif. Puis pour aider à cet objectif de l'année, voilà ce que je peux faire ce mois-ci. Puis pour aider à cet objectif de ce mois-ci, voilà ce que je peux faire cette semaine. Puis ça m'aide à pas me disperser trop, parce qu'un doctorat, c'est tellement plein de choses à faire en même temps que je pense que sans ça, je pars dans tous les sens, puis je finis par pas avancer. Oui. Ça change tous les jours. Et parce que au début, on a une idée de ce qu'on veut faire, mais de plus en plus qu'on avance dans les projets, on commence à voir qu'il y a de nouvelles techniques qui sortent, il y a
des choses, que des travaux qui sortent aussi avec les nouvelles informations, que ça te fait changer un peu ton projet. Mais aussi, il faut réfléchir sur certaines techniques qui commencent à rester au passé, et apprendre de nouvelles techniques qui vont t'aider à la fin quand tu finis tes études. Parce que ça aussi permet d'être un peu plus compétitif quand on finit ses études pour trouver un travail ou un poste ou un postdoc. Oui, en fait, je pense que c'est une très bonne question parce que ça a changé beaucoup depuis que j'ai commencé. Et ça a changé aussi depuis que j'étais en maîtrise, maintenant que je suis au doctorat, où on gère différents projets en même temps. Alors, la première chose, c'est que j'ai un dossier virtuel pour chaque de mes projets, où je garde mes idées, je garde mes hypothèses, je garde comme des choses futures à faire, je garde mes résultats, bien sûr, et tout genre de choses qui sont par rapport à mon projet. Ça, pour un côté, alors j'ai tout organisé. Mais deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est d'avoir un schéma global de chaque projet qui m'a permis de suivre où je suis dans le projet et qu'est-ce qu'il manque. Alors c'est un espèce de grand schéma avec les étapes du projet et où y aller s'il y a ce problème ou s'il y a ça qui arrive, où y continuer, on va dire. Et troisième chose que je pense qui est vraiment qui m'a apporté vraiment beaucoup pour gérer mon temps, c'est d'avoir un agenda qui est divisé par projet. Alors, j'ai comme d'autres choses aussi dans l'agenda, comme disons une catégorie personnelle, mais dans chaque jour, j'ai comme la catégorie projet 1, où j'ai mis comme les choses à faire dans les labos. Mais j'ai aussi mon projet 2. Si j'ai le temps ce jour-là, je peux mettre comme une analyse de quelques données de projet 2. Alors, comme ça, tu as une liste dans ta journée des choses à faire de chaque projet. Si tu as le temps, ça va dépendre de ce qu'il faut que tu fasses. Mais tu as tout organisé par projet. Alors, je pense que ça a été vraiment utile pour pas, par exemple, laisser d'un côté un projet à un moment donné. Mais tu peux faire la même chose si tu as juste un projet avec séparer différents trucs de ton projet. Par exemple, tu peux avoir des catégories de labo, des catégories d'analyse de données, des catégories de lire des papers. Tu pourras mettre dans ta agenda, aujourd'hui j'aimerais lire un paper, et j'aimerais faire cette expérience et j'aimerais analyser ces données. Des fois on ne fait pas tout, mais c'est comme ça l'idée. Donc c'est sûr que je me suis définitivement améliorée dans ce qui est la gestion puis l'organisation d'un projet de recherche depuis que j'ai commencé ma maîtrise. Donc au début, j'avais quand même tendance à vouloir trop savoir exactement ce que je voulais faire à chaque jour puis à justement surcharger mon horaire. Et ce qui faisait que bon, dès qu'il y avait un imprévu, j'étais déstabilisée puis c'était un petit peu comme « Oh non, genre, il faut que tout que je recommence, il faut tout que je retrouve qu'est-ce qu'on peut faire. » Fait que maintenant, en fait, je surcharge plus mon horaire, je laisse tout le temps des temps de buffer un peu. Puis si finalement, mon expérience prend le temps qui est prévu ou prend moins de temps, bien, ça me laisse juste du temps pour regarder mes emails, lire un article par exemple, et il y a toujours quelque chose à faire, donc tu n'as jamais trop de temps là. Ben oui, c'est certain que j'ai pris de l'expérience. Faire des échéanciers puis me fixer des objectifs, ça c'est certain que j'ai amélioré cet aspect-là dans mes projets mon projet de recherche en général, mais aussi, je pense qu'on est en science depuis longtemps, puis on trouve toujours des nouvelles pistes dans nos jeux de données. Je pense que c'est important de focusser sur... Des fois, on part sur des analyses qui peuvent prendre du temps, puis ça n'a pas forcément rapport avec l'objectif principal, c'est important de se rendre compte de ça, puis de se poser la question, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que c'est pertinent pour tester mon hypothèse, etc. Là. Fait que je pense que c'est toujours important, finalement, de se ramener, de se remettre en question sur ce qu'on est en train de faire, puis est-ce que, finalement, ça apporte vraiment à mon projet de recherche. Je pense que mon conseil le plus important, c'est avoir une communication fréquente avec son directeur de thèse, et d'essayer de ne pas laisser le travail au dernier moment. Parce que je sais que c'est pas facile, non, travailler toujours sur les projets, sur les analyses, mais il faut faire un petit peu de il faut travailler un petit peu chaque jour pour éviter faire
tous les travaux en même temps à la fin, quand on doit envoyer les rapports ou quand on doit envoyer on doit déposer la mémoire, parce que sinon ça peut devenir comme on peut avoir une crise, parce qu'on a beaucoup de travail pour tout faire en même temps. Si on réussit à faire un petit peu chaque semaine, ça aide beaucoup, parce qu'à la fin, on va avoir moins de travail à faire. Je pense qu'il faut... Le plus important, je pense, c'est d'y aller pas à pas, parce que je sais d'expérience qu'on peut se laisser impressionner par l'ampleur de la tâche. Donc, il faut vraiment, étape par étape, on y va tranquillement. Puis, il faut se forcer à s'arrêter de travailler à certains moments, se forcer à penser à autre chose. Sinon, le stress, au final, vient nous paralyser et nous empêcher d'être efficaces. Donc, oui. Puis, continuer à apprendre sur plein d'autres sujets, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec notre projet, parce que je me suis rendu compte que ça nous aide à faire des parallèles, des connexions au niveau du cerveau. Puis, on peut trouver des solutions aux fameux imprévus, parce qu'on a regardé un reportage, je ne sais pas, sur le tremblement de terre, par exemple, et qu'on a vu une technologie qui nous a inspirés. Je pense qu'il y en a deux. Je pense que le premier, c'est un truc que je me suis vraiment rendu compte dans mes deux projets que j'ai faits jusqu'à présent, c'est la planification. C'est vraiment, je pense qu'ici à l'université, on a toujours un endroit où on doit parler de présentation de projet, on doit faire une présentation de projet. Je pense que plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point c'est important. C'est là où on comprend tout ce qu'on va faire pendant les années à suivre. Puis, c'est aussi là où tout va un peu se jouer, parce que c'est là où on va décider comment on ramasse nos données, quelles données on ramasse, quelle analyse on prévoit. Puis, tout ça, ça va faire que si on fait ça bien, on va avoir un projet qui va être 100 fois plus facile dans les années qui suivent. Puis, toujours en gardant cette ligne directrice-là, etc., je pense que la planification, c'est majeur. Puis pour moi, un truc qui est vraiment important aussi, c'est de pas... en fait, je sais que c'est un peu contradictoire, mais c'est de pas se stresser avec tout ce qui est deadline, etc. Pour moi, je vois beaucoup de gens autour de moi que ça affecte beaucoup, de se dire « Ah là, je suis dans ma troisième année de doctorat, puis j'ai pas fini, puis c'est vraiment c'est un big deal pour eux. » Mais je pense que c'est... important de se donner le temps, puis de ne pas se précipiter, parce que je pense que ça va juste jamais aider. Puis je comprends je comprends l'envie de finir, mais je pense que c'est ça, faut comme laisser les choses se faire, puis se donner le temps. Moi, je dirais qu'il faut commencer rapidement, parce que ça se peut qu'au début, des fois, on a peur de commencer un projet, parce qu'on les voit vraiment grand. Mais vraiment, si tout commence... lentement, on avait peur. Il va falloir que tu fasses tout rapidement à la fin. Alors, c'est mieux d'avoir un rythme pareil dans tous les projets que tout faire à la fin. Parce que même si tu as peur au début, à la fin, tu ne vas pas avoir peur, mais tu ne vas pas avoir le temps. Alors, commencer rapidement, commencer avec firmement, on va dire. Pas rapidement, il faut y aller au même rythme. Mais commencer de cette façon qui va te permettre d'avoir le même rythme pendant tout ton projet. Et deuxièmement, je dirais de tout demander. Et il n'y a pas de connaissances acquises, on va dire. On ne sait pas des choses parce qu'il faut qu'on les sache. Il n'y a pas comme un niveau global qu'il faut avoir pour commencer un projet de recherche. Alors, je pense que si tu as une question, soit de qui soit, soit de contexte, du labo, même des courses que tu te rappelles plus, c'est normal. Notre mémoire, ça ne va pas être infini tout le temps. Alors, demander des questions, poser les questions à ton directeur, à ton team, à la personne qui est dans ton bureau, ça va te permettre de sauver le temps. Donc, si j'aurais un conseil, c'est de peut-être trouver un modèle de gestion, en fait, d'organisation qui va fonctionner pour toi. Par exemple, moi, au bac, j'avais aucun modèle de gestion. Donc, quand je suis arrivée à la maîtrise, puis que là, tu as des choses à gérer, c'est pas comme un horaire au bac où tu sais exactement chaque chose que tu vas faire à chaque jour parce que tu as tes cours, tu as tes examens, tu sais exactement comment ils vont être. Donc, avoir un bon modèle de gestion que peut-être qu'il va falloir que tu développes, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ça, je pense, le plus vite tu le mets en place, le mieux ça va aller. Je pense que mon conseil le plus important, ce serait
de construire un échéancier pour un projet, l'updater à chaque semaine, puis voir si on rencontre ces objectifs-là, puis tout le temps, finalement, retravailler l'échéancier pour voir où est-ce que tu es rendu dans tes objectifs et est-ce que tu es capable de les atteindre, et sinon, est-ce qu'il faut réévaluer, finalement, les objectifs? Est-ce qu'ils sont trop gros pour, finalement, ce que tu veux faire dans le cadre d'un projet de maîtrise ou de doctorat? Je pense que c'est important aussi, dans le cadre d'un projet de recherche, d'aller chercher de l'aide au sein de ton laboratoire. On a beaucoup tendance à vouloir faire tout seul, mais c'est pas comme ça que se fait la science en général. Ça se fait tout le temps en équipe, fait que je pense que c'est important de travailler comme tel.